Ok, bonjour à tous, c'est Envivius et on se retrouve pour une nouvelle vidéo attendue qui va être les résultats du concours de ski tout simplement qui a eu lieu pour les 3000 abonnés. Donc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas donné de nouvelles sur YouTube. C'est assez simple, c'est parce qu'en gros je m'attendais à faire une vidéo pour la mise à jour 6.2.1 qui devait sortir mardi dernier, donc mardi il y a une semaine. Et malheureusement, comme vous le savez sûrement, avec les problèmes de météo à Austin, avec plein de tempêtes de neige, etc., et des problèmes climatiques, quoi. Et comme le studio de Swotor est à Austin, bah ça fait qu'ils n'ont pas pu déployer la mise à jour, et ce depuis une semaine. Donc bon, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Peut-être à la fin des vacances, j'en sais rien. Et du coup, je comptais sortir une vidéo le jour de la mage. Avec toutes les nouveautés en jeu, etc. Mais finalement, bah, ça aura sûrement pas lieu. Et du coup, voilà, et on se retrouve pour cette vidéo-là. Donc, j'ai le tableau des résultats juste sous les yeux. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Enfin, c'est plutôt décidé. On a décidé avec plusieurs personnes du Discord de faire un 50-50 en mode les votes du jury comptaient à 50%. Et les votes des commentaires comptent à 50%. Donc voilà, je pense que c'est une bonne alternative, comme à l'Eurovision. Et j'ai décidé de ne pas compter les commentaires en anglais. Donc Katage est vachement désavantagé, mais en même temps il a demandé à tous ses potes de sa guilde anglaise de voter pour lui. Et du coup c'est plus un concours de celui qui a le plus de votes grâce à son skin, mais c'est un concours de celui qui a le plus de votes de ses potes, plus il a créé des faux comptes, je pense. Voilà, il y a un screen à l'écran, il y a un compte qui a été créé le 15 février 2021. Enfin bon, bref, voilà. Donc en gros il y a eu 135 votes en tout, et du coup j'ai fait une règle de 3 tout simplement, et ça fait que les votes du jury, comme il y en avait 30, et bah du coup 135 divisé par 30, ça fait que un vote du jury, ça vaut 4,5 votes des commentaires. Donc effectivement c'est assez cheaté. On va faire un top 12 des participants. Donc à la 12e place on retrouve King Ghosters avec 9 points du jury et 2 points des commentaires. Enfin c'est Almindiria ou King Ghosters, je sais pas, c'est une confusion. Et du coup il arrive à la 12e place, donc c'est dommage, il gagne rien. Ensuite il y a Shalom avec 12,5 points, donc 4,5 points du jury parce que je lui avais filé un point, et 8 points grâce aux commentaires qui arrivent à un total de 12,5, et du coup à la 11e place il gagne rien. À la 10e place on retrouve le skin de Rome, donc qui est sur Darth Malgus et qui gagne un pack du cartel. Il avait eu 2 votes du jury, donc 2 fois 4,5 ça fait 9, et il avait eu 5 votes en commentaire, donc ça fait qu'il a 14 points au total et qu'il est à la 10e place. Ensuite, à la 9e place, on a Arahir, donc qui a eu 2 votes du jury, donc 9 points, et 7 votes en commentaire, donc ce qui lui donne un total de 15 votes, et il est à la 9e place et il gagne 2 packs du cartel. À la 8e place, on retrouve Noah Curry, donc j'ai hésité à le disqualifier parce que, bon, voilà, il a eu que des votes en com, que des votes de ses potes et tout. Mais bon, c'était pas abusé non plus et c'était pas des commentaires en anglais, etc. Donc bon, j'ai décidé de laisser couler, on va dire. Et du coup, il arrive à la 8e place avec 0 vote du jury mais 16 votes des commentaires. Il gagne 3 packs et il est sur Satil Chan. Ensuite, à la 7e place, on retrouve Nodips qui gagne 4 packs sur Léviathan. Donc il a eu 2 votes du jury, donc ça lui fait 9 points. Plus 8 votes en commentaire, ce qui lui fait 17 points au total. À la 6e place, on retrouve Mazer qui a eu plusieurs votes du jury, je crois 4 votes du jury, plus 1 vote en commentaire, ce qui lui donne 19 points, et ce qui fait, voilà, il gagne 6 packs et il est sur The Leviathan. À la 5e place, on retrouve Noah qui gagne 6 packs et qui est sur Leviathan, qui avait fait un skin plutôt stylé. Donc il a eu 2 votes du jury et 12 votes en commentaire, ce qui lui fait un total de 21. À la 4e place, on retrouve Baccara. Donc qui a eu 4 votes du jury et 4 votes en commentaire, ce qui lui fait un total de 18 plus 4, ce qui fait 22. Et il gagne 7 packs sur Darth Malgus.
Ouais, je me souviens de son skin, c'était un skin d'ombre que j'avais vraiment bien apprécié. À la troisième place, on retrouve Jara qui a reçu 2 votes du jury et 16 votes en commentaire, ce qui lui fait un total de 25 votes. Donc voilà, il gagne 8 packs sur The Leviathan. À la deuxième place, on retrouve Homer avec 5 votes du jury, ce qui lui fait 22,5 points. Plus 3 votes en commentaire, ce qui lui fait un total de 25,5, et il gagne 9 packs sur Leviathan. Et à la première place, on retrouve Varanops, c'est pas vraiment étonnant, qui est premier du coup, avec qui gagne 10 packs du cartel sur The Leviathan. Donc il a eu 6 votes du jury, donc 6 fois 4,5, ce qui fait 27, plus 6 points en commentaire, donc ce qui fait un total de 33 points. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les résultats de ce petit concours. J'espère que vous aurez apprécié, noter en commentaire et voir ces skins plutôt sympas. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.